Alors, bonjour à tous, bienvenue donc à cette Bonjour. rentrée du 11-12. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, puisque vous êtes très nombreux à venir de pas mal d'endroits aujourd'hui, donc je me présente Emmanuel Royon, je travaille à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Livret Lecture sur la mission patrimoine. Donc ça fait maintenant un an tout juste qu'on a créé ce numéro avec ma collègue qui était sur la lecture publique. Et donc l'idée c'est que vous pouvez poser vos demandes, vos questions, vos besoins sur une petite plateforme qui s'appelle La Parenthèse. Et donc nous on met au programme ces sujets-là. Et le sujet qui nous occupe aujourd'hui, le traitement des éphémères, c'est un sujet qui a été assez plébiscité. Puis en témoigne le nombre important de participants aujourd'hui inscrits. Donc, pour rappel, les règles du jeu, pensez à bien couper vos micros pour qu'on ne vous entende pas pendant que les intervenantes font la présentation. Si vous pouvez penser également à renommer avec vos noms et prénoms vos vidéos pour qu'on puisse émarger plus facilement. Si vous ne savez pas comment faire, il y a trois petits points en haut à droite de votre cadre où il y a normalement votre vidéo et vous pouvez renommer votre petite présence. Un petit point sympathique pour ceux que ça ne dérange pas d'allumer les caméras, c'est toujours plus sympa pour les intervenantes de mettre des visages sur les participants. Donc ceux qui sont pas voilà, qui sont coiffés, peignés et dans un décor qui convient, je vous invite à le faire. C'est toujours plus sympa. Normalement, sur le 11-12, on invite les participants qui le souhaitent à poser leurs questions directement à l'oral. Donc, si vous voulez le faire, vous avez un petit icône en bas de Zoom qui est Réaction, sur lequel vous pouvez lever la main. Et si vous n'êtes pas trop nombreux à poser vos questions, on vous laissera la parole, bien évidemment. Sinon, vous pouvez les déposer dans le chat à tout moment et on essayera de les prendre au fur et à mesure, sachant qu'on a fait un programme, un déroulé assez riche et que du coup, on a une heure pour essayer de balayer tout ce qui a trait à ces questions des éphémères. Et maintenant, je pense qu'il y a plus de monde arrivé et ce sera plus intéressant maintenant de vous présenter nos deux intervenantes du jour. Donc, Caroline Poulain, que je pense que vous êtes un certain nombre aussi à connaître, qui est directrice adjointe et responsable du pôle patrimoine de la Bibliothèque municipale de Dijon et présidente de Bibliopathe. Voilà, grâce à qui on a un nombre de participants record aujourd'hui. Et Séverine Montigny, qui est la spécialiste aussi des éphémères et qui est conservatrice au département des éphémères et de la documentation à la Bibliothèque historique de la ville de Paris. Donc un grand, grand merci à toutes les deux d'avoir accepté de participer à cette rencontre. Et donc sans plus attendre, je vais vous laisser la parole. Juste pour vous redire un petit peu ce programme, on va commencer par une introduction un petit peu pour savoir de quoi on parle quand on parle des éphémères. Puis on abordera l'enrichissement des collections, le traitement descriptif, la conservation et la valorisation. Tout ça en une heure. Donc sans plus attendre, Séverine, si tu veux bien nous réexpliquer ce que sont les éphémères, quels sont les intérêts au sein des collections. Voilà, je te remercie beaucoup. Alors, bonjour à tous. Merci de votre intérêt pour les éphémères. Donc, moi, ça fait 10 ans à peu près que je travaille à la bibliothèque historique et donc je m'intéresse à ce type de documents. Je me suis forgé des idées, on va dire, sur le traitement des documents au fil du temps face à un ensemble qui était à décrire. Pas en accroissement. Donc, on en parlera tout à l'heure, mais ça me met dans une position un petit peu particulière par rapport à tous ceux qui, parmi vous, sont confrontés à l'arrivée de nouveaux documents. Donc, sans refaire l'histoire de l'intérêt croissant porté à ces documents par les chercheurs, ni revenir sur l'usage du terme éphémère, dont on pourra reparler, je voudrais partir de notre point de vue de bibliothécaire, en fait, il me semble, moi, que ces éphémères, en fait, sont un petit peu tout ce qui nous reste à traiter quand on a réussi à finir tous les chantiers de signalement, de manuscrits, de rétroconversion, de fonds imprimés, puis de cartes et plans et d'iconographie, comme si les éphémères étaient un petit peu tout le reste, tout ce qui était difficile à décrire. Et de fait, toutes les autres typologies que j'ai évoquées peuvent être décrites en suivant des normes hein, qui ont été
constituées au fil de l'histoire des bibliothèques, tandis que pour les éphémères, eh bien, il faut se fabriquer une méthode en s'inspirant de ce qui existe, mais il n'y a pas de normes de catalogage. C'est un petit peu comme si c'était... il y avait une hiérarchie, si vous voulez, de prestige dans les documents, mais qui s'explique aussi par l'historiographie, c'est-à-dire que les éphémères permettent d'écrire un genre d'histoire qu'on a découvert que récemment, et du coup, ben, cet intérêt est assez récent. Alors, avant de reparler de ce qu'on peut faire avec les éphémères, si on devait les décrire, donc, on peut parler des points communs à tous ces types de documents, qui serait de dire que les éphémères sont des documents d'abord utilitaires, donc de la vie quotidienne, qui ont une utilité immédiate. Par exemple, une affiche ce serait, ou un flyer, ce serait d'annoncer un événement. Un catalogue, un prospectus commercial, ce serait de persuader le client de les acheter. L'information détenue, contenu par ces documents est rapidement périssable. C'est la raison principale pour laquelle ils sont éphémères et ne sont pas destinés à être conservés dans l'esprit de leurs producteurs, et qui explique que ces documents ont pu devenir rares, alors même qu'à l'origine, au moment de leur production, les éphémères ont pu être produits en milliers d'exemplaires. Je prends souvent l'exemple des aperçus des prix pour les bouillons parisiens. Vous savez, ces petits lieux de restauration pour les ouvriers parisiens à l'origine. Aujourd'hui, le bouillon est quelque chose d'un peu plus prestigieux. On en a énormément la BHVP et pour plein d'adresses. Et ces pièces, en fait, ont dû être produites à des milliers d'exemplaires. Or, aujourd'hui, ils sont extrêmement rares pour chacune de ces adresses. On peut dire aussi que ce qui fait leur point commun, c'est d'avoir été diffusé gratuitement. Ça y est, c'est bon. Ouf. Donc, d'avoir été diffusé gratuitement ou de coûter, d'avoir un prix très modeste et d'avoir emprunté des circuits informels. Hein. Marcel Poète, le fondateur celui qui a lancé la collecte d'éphémères à la BHVP, parlait de feuilles de la rue, donc des choses qui circulent en dehors des circuits habituels pour nous et qui croisent rarement nos circuits de collecte. Certains types d'éphémères sont explicitement exclus du dépôt légal imprimeur. Les services d'archives peuvent en collecter, mais par incidence dans des liasses provenant de services qui effectuent le contrôle sur les activités commerciales ou les activités associatives, par exemple. Mais il n'y a pas de captation systématique de l'ensemble de ces types de documents par les bibliothèques ou les services d'archives. Et puis l'autre point commun, ce sont majoritairement des imprimés. J'insiste aussi sur le fait qu'ils ne sont pas forcément illustrés, même si une grande partie des éphémères sont souvent pris en charge par les services iconographiques. En réalité, leur typologie est beaucoup plus large que les seuls éphémères imprimés. Évidemment, comme l'ensemble de la production imprimée, c'est une production qui explose à partir du 19e siècle, mais d'autant plus que beaucoup d'éphémères sont liés à la révolution industrielle, à la publicité, au développement de la conscience politique, quand on parle de tout ce qui est tract, éphémère politique ou associatif. Leur forme est le plus souvent très modeste, aussi bien dans leur dimension que dans la qualité des supports, la qualité de l'impression. Et du coup, ça contribue à leur fragilité et à leur raréfaction. Alors, voilà les points de définition générale. Pour appréhender ces ensembles, ce qui est très intéressant pour nous, ce serait de disposer de typologies. Donc, il en existe qui proviennent des imprimeurs. Je vais très vite, hein, des typologies d'imprimeurs, ça sert à ranger les éphémères qu'ils produisent dans leur atelier. Donc, vous pouvez vous reporter, par exemple, au catalogue du musée de l'imprimerie de Lyon, où on trouve en particulier la typologie de Marius Audin. Des bibliothécaires, évidemment, essayer de faire des typologies. Il y a une liste de types de documents
que j'utilise parfois de mes collègues de la bibliothèque Fornet. Il y a des essais de typologie de la Bibliothèque nationale qu'on peut retrouver dans le guide de catalogage des recueils avec des termes, si vous voulez, validés pour constituer les titres forgés des notices de recueil. Et puis, j'espère que d'ici quelques temps, on disposera d'un thésaurus des éphémères qui existe en Angleterre et qui est en cours de traduction et adaptation en français. Je pourrais y revenir si vous le souhaitez. Et donc, le deuxième volet de cette introduction, après une définition générale, c'est quel intérêt pour nos collections de bibliothèques, quel intérêt de conserver ces documents. Alors, ce sont des sources qui sont extrêmement intéressantes pour l'écriture de l'histoire sociale, économique et culturelle. C'est ce type d'histoire dont je vous parlais tout à l'heure qui est apparu plus tard, évidemment, que l'histoire événementielle, gouvernementale, diplomatique, et qui fait que la prise de conscience de l'intérêt de ces sources est plus tardive. Mais il faut reconnaître qu'un éphémère seul, c'est quand même une source historique faible. Je prends souvent comme exemple, j'invite souvent les gens à regarder les affiches que l'on voit dans la rue et à constater que le millésime est rarement imprimé, si bien que l'enjeu au moment où on collecte des éphémères, c'est aussi de documenter ce que l'on fait. Et puis, pour que ces sources aient une valeur supplémentaire, l'intérêt, c'est aussi de constituer des collections, des ensembles assez volumineux qui permettent d'établir, de constater des tendances, d'établir des comparaisons, plutôt que d'avoir des pièces isolées. Et c'est ce volume lui-même qui est problématique pour nous, puisqu'on est face à des très gros ensembles et qui sont difficiles à appréhender et pour lesquels on a besoin de méthodes pour s'engager dans un traitement, peut-être justement pas à la pièce, même si, on va y revenir au traitement, même si pour certains ensembles, on peut vouloir faire des choses plus précises. Ce qui est intéressant aussi avec les éphémères, c'est d'utiliser, et ça Caroline à Dijon pourra mieux développer cet aspect-là, c'est de pouvoir construire une singularité, une identité particulière pour votre bibliothèque en proposant des sources qu'on ne trouvera pas ailleurs. Et puis, là encore, on y reviendra dans la dernière partie, c'est le formidable outil de médiation que peut être un éphémère ou un ensemble d'éphémères pour la transmission, la médiation de l'histoire auprès du grand public. Ces documents sont des documents de la vie quotidienne qui parlent facilement aux visiteurs. Là encore, j'ai un exemple que je prends souvent d'un groupe d'enfants qui était accompagné par une grand-mère pour visiter la bibliothèque et on leur montrait des billets de chaise. Des billets de chaise, c'était l'équivalent des titres de transport, mais pour avoir accès aux fauteuils et aux chaises dans les jardins publics de Paris. Et donc, les enfants ne pouvaient pas connaître cette réalité historique qui a disparu depuis les années 60. Il n'y a plus de concessions de chaises dans Paris. Mais la grand-mère qui les accompagnait a été capable d'incarner cette réalité en leur disant « Oh, mais je me souviens très bien quand les contrôleurs de billets de chaise arrivaient au Luxembourg, les volées d'étudiants qui couraient pour ne pas être contrôlés, ne pas devoir payer l'amende. » Donc voilà, c'est des documents qui permettent de parler directement aux gens, de leur évoquer un passé et je parle souvent là de la valeur archéologique de ces documents qui en fait sont des témoins des témoins au sens premier du terme du passé, de la réalité de la vie quotidienne du passé. Et Séverine, du coup, tu nous disais qu'effectivement, un éphémère seul, c'est pas forcément probant, donc peut-être que nous pourrions parler effectivement de l'enrichissement de ces collections aussi, toutes les deux. Je rebondis, c'est vrai.
Donc, je vais déjà rebondir sur ce que disait Séverine sur la possibilité pour une bibliothèque de se singulariser avec ce type de collection, puisque c'est ce que fait Dijon, puisque nous avons depuis une trentaine d'années un fonds consacré à la gastronomie et au vin. Et depuis 10 ans, on a énormément travaillé sur notre collection de menus, qui était une collection d'environ 2000 pièces et qui aujourd'hui atteint à peu près 18 000 pièces. Donc, ça vous montre tout de suite l'activité de la bibliothèque sur ce sujet. Je peux peut-être, en partageant mon écran, faire la transition aussi avec ce que disait Séverine sur l'intérêt de vous voyez bien là, oui, de ces collections. Alors, si je pouvais. Voilà, rebondir sur ce qu'elle disait sur l'intérêt en tant que source et notamment de source sur la vie quotidienne en appliquant l'exemple à la collection de menus. Vous voyez ici donc un menu tout début, enfin au cœur de la Belle Époque. C'est bien sûr une source sur l'histoire de l'alimentation et de la gastronomie. Vous voyez ici un ordonnancement de repas qui ne vous parlera sans doute pas, qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Bien sûr, beaucoup d'événements politiques et d'événements historiques ont été accompagnés de repas et les menus en sont aussi un témoin. Les associations à la Belle Époque ont énormément utilisé ce support. Et là, je vous prends l'exemple justement de la société du Vieux Papier, qui est une société spécialisée dans justement les collections d'éphémères, et vous pouvez toujours consulter leur publication qui est très éclairante sur beaucoup de types d'éphémères qui sont assez mal connus dans les institutions publiques. Bien sûr aussi une source pour l'histoire des mœurs, l'histoire sociale. Donc ici vous avez un petit patchwork de photos de mariés que l'on trouve sur des menus de fiançailles ou de mariage, et on voit l'évolution de cet événement de la vie quotidienne à travers l'évolution. Et ça rejoint aussi ce que disait Séverine sur l'importance d'avoir un seuil critique pour que cette source soit intéressante. Et c'est aussi, bien sûr, elle en a parlé aussi, une source intéressante en matière d'histoire de l'impression, de l'illustration. Et on a ici un menu sur papier porcelaine qui est très, très en vogue en Belgique au début du XXe siècle à la fin du XIXe. Et puis enfin aussi une source intéressante sur le marketing, puisque c'est un support qui était très utilisé par différentes marques. Alors, singularité aussi des éphémères du fait de leur mode d'enrichissement. Je pense qu'on a deux sortes de bibliothèques, deux sortes de collections d'éphémères, les collections mortes et les collections vivantes. Les collections vivantes, je suppose qu'elles sont assez rares si on met à part les collections particulières qui arrivent par le dépôt légal imprimeur. À Dijon, c'est une collection vivante, mais donc en deux, il y a celle du dépôt légal imprimeur et on a cette collection extrêmement vivante de menus, puisque je vous disais qu'en 10 ans, on était passé d'environ 2000 pièces à aujourd'hui 18 000. Ce qu'il faut aussi avoir en tête quand on parle d'éphémère, c'est que souvent, il y a un rôle beaucoup plus important des collectionneurs privés que des institutions publiques. Et les grandes collections d'éphémères, et les menus en font partie, ce sont des privés qui les ont constitués. Je vous parle de 18 000 menus à Dijon, qui est quasiment la plus grande collection aujourd'hui. On doit en avoir un peu plus qu'à la BNF. La plus grande collection au monde, elle compte 70 000 pièces, vous voyez, donc on n'est pas du tout sur les mêmes échelles. Donc, il faut vraiment penser à faire avec les collectionneurs privés pour connaître son sujet. Et dans la politique d'accroissement, c'est la même chose. On va pouvoir passer par des libraires, par des marchands, mais pas seulement, parce que ce sont les collectionneurs privés qui ont les plus grandes collections et qui peuvent être vraiment intéressants. Donc, la politique de Dijon en matière d'acquisition, elle se fait par plusieurs biais. Donc, des achats, bien sûr, hein, parce qu'il y a des libraires spécialisés en gastronomie, en vin, qui ont des menus à vendre. Alors là, ce sont souvent des belles pièces, des pièces chères qui sont très bien illustrées ou qui sont le témoin d'événements historiques importants ou qui reviennent en fonction du contexte. Hein. Entre 2014 et 2018, il y a eu énormément, par exemple, de menus du centenaire qui
sont sortis sur le marché. Mais ce n'est chez nous que la moitié des acquisitions qui se font via le mode onéreux. L'autre moitié arrive par des dons. Alors, d'une part, des dons qui arrivent tout seuls du fait du bouche à oreille, d'un travail dont je reparlerai tout à l'heure en matière de valorisation et qui fait que ça arrive tout seul. Hein, toutes les semaines, il y a des menus qui arrivent de la région, mais aussi de un peu partout en France. On a aussi, alors je vais essayer de repartager mon écran, une politique très active en matière de collecte. Donc je prendrai un exemple qui est celui d'une. Alors pourquoi ça ne marche pas? Vous, ouais, bon, je vais le laisser comme ça. L'exemple d'une collecte qu'on avait appelée une collecte de menus d'amour qu'on a faite il y a quelques années, donc des menus de fiançailles, de mariage, d'anniversaire de mariage, etc., qu'on a largement diffusé dans la région de façon physique, mais aussi en numérique, en utilisant largement nos réseaux sociaux, notre page Facebook et notre compte Twitter pour la développer, la relayer. On utilise aussi largement la presse. Puisque la presse locale touche un bassin de population important. Donc là, dans l'occurrence, on avait un partenariat avec le journal local qui publiait toutes les semaines un menu pour inciter les gens à donner. Et puis, troisième mode, un démarchage très direct de cibles, on va dire, de collectionneurs, que ce soit des institutions, et ça, c'est très compliqué parce que les institutions, enfin, les collectionneurs privés arrivent. Si je prends l'exemple des menus de l'Élysée, les collectionneurs privés arrivent très bien à voir tous les menus qui sortent de l'Élysée très facilement. Nous, on n'y arrive pas. Il faut qu'on passe par des intermédiaires. C'est très compliqué. Donc, on démarche des collectionneurs et des personnalités que l'on sait intéressés par la valorisation, la conservation, et qui ont cet esprit-là. Mais j'en reparlerai plus tard dans la valorisation. Donc voilà, trois modes, un bouche à oreille, quatre modes, même un bouche à oreille et des acquisitions qui se font toutes seules, des collectes incitatives auprès d'un public très large parce que c'est un type d'éphémère, le menu qu'on trouve chez tout le monde. Troisième, le démarchage d'institutions ou de collectionneurs. Et puis, bien sûr, les achats chez les libraires. Quand vous travaillez avec des collectionneurs, pensez aussi à valoriser les actions de mécénat puisque les dons peuvent être défiscalisés de façon très facile, donc je ne vous en parle pas là, mais si vous avez besoin d'informations, je me tiendrai à votre disposition plus tard. Voilà, donc à retenir qu'il ne faut pas seulement passer par les acquisitions onéreuses et le marché. Et merci beaucoup. Et peut-être Séverine, tu veux renchérir un petit peu sur ce propos avant de nous expliquer un petit peu comment on fait avec cette masse de données qu'on a engrangée, cette masse de documents. Voilà. Oui, ce que montre le cas de Dijon, je crois, c'est l'importance au préalable d'avoir défini ce qu'on souhaite faire, d'avoir défini une politique documentaire et de savoir quel type de documents on veut collecter et ceux dont on ne veut pas. La collecte un peu large, sans réflexion préalable de ce qui est pertinent par rapport à nos objectifs en termes de service au public, risque de vous mettre face à une quantité de documents trop importante à traiter et ce serait contre-productif. Si vous êtes au début d'une collection ou bien même si vous avez déjà un ensemble constitué, comme c'est le cas à la BHVP, et que vous vous interrogez sur comment continuer, il faut d'abord vous poser la question quel thème je veux documenter et quel type de documents je veux collecter. Voilà, ça peut paraître évident, mais c'était un peu l'une des conclusions principales des deux sessions de formation NCIB au traitement des éphémères. C'était vraiment la définition d'une politique d'acquisition. Et c'est le cas pour la bibliothèque historique, même si ce n'est pas écrit. Je sais très bien ce que j'achète et ce que je n'achète pas. En fonction de ce qu'on a déjà décrit ou pas encore décrit. Voilà, il y a des domaines sur lesquels je ne m'aventure pas parce que je ne sais pas encore ce qu'on possède. On n'a encore décrit qu'un quart de la collection. Donc, il y a plein de segments pour lesquels je ne vais pas aller compléter par des achats en librairie ou aux enchères, comme évoquait Caroline.
Donc, la première des choses pour traiter ces ensembles documentaires, c'est d'avoir un cadre de classement. Donc, c'est quelque chose qui est assez évident pour tous ceux qui ont un peu une formation d'archiviste, mais qui n'est pas forcément dans les pratiques des bibliothécaires, sauf évidemment ceux qui doivent traiter le dépôt légal imprimeur. Et donc, l'un des modèles dont on peut disposer pour s'inspirer quand on a à organiser un ensemble, c'est d'aller voir justement la bibliothèque dépôt légal imprimeur de sa région et de lui demander son cadre de classement pour les éphémères collectés au titre du dépôt légal. Alors, il y a eu un groupe de travail en 2004, donc il y a des modèles qui datent de 2004. J'en ai encore certains. Et puis, c'est un sujet qui a été relancé il n'y a pas très longtemps par Valérie Louison au niveau du service de la coopération. Donc, je pense qu'il y a des nouvelles réflexions à ce sujet et vous pouvez la solliciter. Alors, pour établir un cadre de classement, on peut s'appuyer sur la géographie. Hein, plus ou moins à la tête de fond d'histoire locale. Donc la structuration géographique, pour moi, c'est toujours quelque chose d'important. Au premier niveau ou à un niveau inférieur des inventaires. Évidemment, on peut essayer aussi de faire des classements typologiques. Hein. C'est le cas pour Dijon, puisque c'est un inventaire de menus. Nous, on a fait la même chose pour nos menus de banquet. On a isolé une typologie documentaire ou on peut faire des inventaires thématiques. Et c'est le cas. Alors, je vais partager mon écran pour que vous voyez la liste des inventaires déjà réalisés à la bibliothèque historique. Voilà, normalement. Vous devriez voir apparaître la page d'accueil du portail des bibliothèques spécialisées patrimoniales de la ville de Paris. Vous voyez, on a un onglet archives et manuscrits. Alors, ce n'est pas parfait puisque archives et manuscrits, on n'entend pas forcément éphémère, mais ça n'est qu'un des accès. Donc, si vous allez sur inventaire, ensuite, vous voyez la liste des bibliothèques qui traitent leurs documents en EAD. Dans bibliothèque historique de la ville de Paris, il y en a énormément, puisque nous ne sommes pas le seul service à utiliser l'EAD. Je passe les collègues des autres départements, on arrive aux éphémères. Oh, j'ai agrandi, c'est pas grave, vous voyez mieux. Voyez, il peut y avoir aussi des inventaires thématiques comme les expositions universelles, la Première Guerre mondiale. On trouve des typologies très variées. Et puis, je peux y revenir ultérieurement. Moi, je suis très attachée aussi à la notion de producteur, c'est-à-dire que, en général, un dossier de document correspond à l'unité communicable, correspond à un producteur. Donc, si on prend les menus de banquet, pour rester dans les fonds gourmands, vous voyez, on a à l'intérieur... je vais laisser Caroline parler parce qu'on s'est beaucoup inspiré de ce que Dijon a fait, mais la vie associative, eh bien, après on a regroupé les types d'associations et après alors, les amicales régionales, alors je vais prendre Auvergne-Rhône-Alpes, n'est-ce pas, et après l'unité communicable, c'est l'association productrice de ces menus. Donc là on a un dossier avec 10 documents, mais je vais laisser la parole à Caroline pour la suite du traitement documentaire. Alors, je veux bien que tu... Oui, comme ça, je vais repartager. Alors. Voilà, donc là, le plan de classement des menus à Dijon. Donc, on a choisi une entrée par occasion. Ou par origine socio-professionnelle des repas, ou quand on n'avait pas ces informations-là, l'organisateur du repas, type menu Air France ou menu de paquebot. Je peux du coup peut-être... Est-ce que tu veux parler d'abord de l'EAD en général et je montre ce que ça donne sur notre instrument de recherche, ou je montre l'instrument et tu expliques après? Vas-y, continue. Tant que j'y suis. Donc, voilà. Alors, j'ai fait des copies au cas où. Voilà, c'est plus. Non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Excusez-moi, je redescends.
Voilà, donc là, vous avez la page d'accueil de notre instrument de recherche menu, donc avec deux entrées, soit la consultation qui va arriver vers le plan de classement, soit la recherche ici qui donne accès à un formulaire de recherche et à toute l'indexation qu'il y a derrière. On indexe énormément notre collection puisque c'est vraiment notre singularité. Donc, c'est un fonds qui est extrêmement soigné, qui est traité pièce à pièce. Et donc là, quand on choisit l'autre mode d'accès via le plan de classement, vous le voyez ici, qui s'ouvre avec les grandes parties, ici vie publique et politique. Et quand on descend complètement au niveau de la pièce, on a une notice qui ressemble à ça, avec toujours la possibilité de synchroniser le sommaire pour voir où on se situe dans le plan de classement. Ça, Séverine en reparlera. Et donc, vous avez ici la notice avec toutes les informations classiques. Une indexation qui se fait aussi au niveau des plats et des boissons, alors qu'on ne fait pas systématiquement par manque de temps, mais qu'on essaye de faire sur les pièces les plus importantes. Et puis, bien sûr, l'accès à la vignette ici, à la visionneuse, et que l'on peut agrandir. En termes de traitement, ce qui se fait chez nous, c'est qu'on commence systématiquement donc par l'entrée des documents dans un registre de suivi. On cote le document, on a un tableau de gestion que l'on remplit dès l'arrivée du document, ce qui permet d'avoir une information sommaire même avant l'encodage. Hein. On est sur des masses assez importantes, donc on est toujours un petit peu en retard dans notre encodage. Donc, le tableau de gestion nous permet d'avoir un minimum d'informations si on fait des recherches à distance. On estampille les documents, on les range dans des classeurs et des pochettes ad hoc. On en reparlera au moment de la partie sur la conservation. Et puis, on a ce choix particulier à Dijon de numériser quasi systématiquement toutes nos collections. Voilà, donc on peut peut-être rebondir sur les choix de l'EAD pour ce type de documents. Oui, alors vous constatez qu'aussi bien à la BHVP qu'à la Bibliothèque municipale de Dijon, nous avons opté pour l'EAD, pour la description de nos collections. Alors, c'est un choix qui peut être questionné. On peut très bien utiliser l'Unimark et faire des notices de recueil. Bon, l'EAD, ça permet de décrire à différents niveaux de précision un ensemble, c'est-à-dire si on souhaite décrire plus précisément une pièce et puis les autres séries, les laisser un peu en stand-by, on peut publier l'ensemble de cette manière. Donc, c'est une question de granularité de l'information qui peut être différente selon les différentes les parties de nos inventaires. Ça permet aussi de ne pas répéter des informations qu'on met à un niveau supérieur qui vont être valables pour tout un ensemble de dossiers. Et puis, l'avantage principal, parce que toutes ces choses-là, finalement, on peut les automatiser aussi en Unimark, hein, faire des notices types et puis ne pas avoir retapé toutes les informations communes à chaque fois. Mais le principal avantage, hein, de l'EAD, vous l'avez vu quand je vous ai montré un exemple d'inventaire, je repartage mon écran, c'est de montrer un dossier dans un ensemble. C'est-à-dire que quand on tombe sur un document, on voit qu'il fait partie d'une collection et du coup, cet intérêt comme source dont je vous parlais des éphémères lorsqu'ils sont pris dans un ensemble très large est directement perceptible par les chercheurs, tandis que dans une liste de résultats à plat, on ne voit pas justement cet ensemble de documents. Donc je vous montre nos inventaires et je vais faire une recherche qui vous montre aussi que à la ville de Paris, on a pu obtenir quelque chose qui est extrêmement intéressant et qui ajoute à l'intérêt d'utiliser l'EAD, c'est qu'on a une recherche fédérée sur l'ensemble de nos bases. C'est-à-dire qu'on peut chercher à la fois dans les inventaires en EAD et dans les notices Unimark qui permettent de traiter tous les autres documents, traités en Unimark habituellement. Donc là, je fais une recherche sur le Train Bleu, donc le restaurant de la gare de Lyon. Très bon choix, Séverine. Voilà, donc ensuite, on a quand même 6765 résultats, parce que c'est aussi un catalogue collectif, hein, toutes les bibliothèques patrimoniales spécialisées, vous les voyez de la ville de Paris. Donc, et si on fait une restriction sur éphémère,
voyez, donc on avait énormément de résultats avec tout type de documents. Et là, on trouve la notice qui vient de l'inventaire des éphémères des restaurants de Paris et d'Île-de-France. Et puis, quand on clique dessus, eh bien, on est dans le contexte de l'inventaire. Du coup, on comprend qu'il y a... Oh, à chaque fois, je... j'essaie de... Je fais des bêtises avec ma souris, je ne sais pas les réparer. Bon, ce n'est pas grave, je vous montre le cadre de classement. On se rend compte qu'il y a 15 documents pour le train bleu, mais que dans le 12e arrondissement, on a des enseignes pour plein d'autres voies, enfin, quelques autres voies, et donc ensuite, on navigue dans cet inventaire pour découvrir l'ensemble de la collection. Donc, pour moi, c'est le principal intérêt de l'EAD. L'intérêt aussi, c'est qu'à présent, nationalement, on dispose quand même d'un outil de saisie qui est Tapir. Donc, nous, c'est ce qu'on utilise pour cataloguer au quotidien. Il y a moins 3 ou 4 personnes dans le service qui utilisent Tapir pour rédiger les inventaires. Et donc, on a un deux canaux de publication, à la fois le CCFR et, d'une part, et d'autre part, notre portail, comme je viens de vous le montrer. Bah, à Dijon, on utilise le logiciel Pléiad de la société AJLSM, qui est un outil libre, puisque ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on encode en EAD. Je peux vous donner peut-être j'ai essayé de chercher des idées de coûts, ça pourrait vous intéresser. Donc, au tout début, ça date, hein, c'était en 2009, ces coûts-là, ils ont forcément augmenté, je suppose. On avait investi à peu près 20 000 euros auprès de la société AJLSM pour à la fois… alors, on aurait pu faire tout seul, hein, mais c'est quand même bien d'avoir une société vraiment qui se penche sur vos spécificités. Donc, à peu près 20 000 euros pour définir tous les paramétrages spécifiques à notre collection, pour installer le carrousel, la visionneuse, telle qu'avec les fonctionnalités qu'on souhaitait, et pour former l'équipe. Les licences, qui sont des licences X-Metal pour pouvoir encoder en EAD, elles coûtaient à l'époque environ 1 200 euros. Donc voilà, vous voyez le coût que ça peut représenter en fonction de votre équipe. Et il y a à peu près 2 000 euros de maintenance par an. Et puis, bien sûr, des développements en fonction des projets en cours qui peuvent être plus ou moins importants. Alors, en termes d'équipe, ce qui a permis de développer tout ça à Dijon, c'est qu'on avait un assistant de conservation qui venait du monde des archives. Et il y a 10 ans, les archivistes étaient déjà largement dans l'EAD. Donc, il avait pris son bâton de pèlerin pour convaincre l'équipe et moi-même de l'intérêt de l'EAD. On a tout de suite vu, effectivement, pour des collections comme celle-ci, mais aussi pour les collections d'iconographie locale, c'est quand même très, très pratique d'avoir des plans de classement. Hein. Les usagers, je pense, s'y retrouvent parfois plus facilement qu'avec un formulaire de recherche dont l'arrière-plan est parfois un peu obscur pour les non-bibliothécaires. Donc voilà, on a pu développer tout ça parce qu'on avait une expertise en interne et quelqu'un qui était quand même capable de discuter avec la société qu'on avait choisie. Et donc, cette personne était bien sûr encodeur et était en charge de la coordination de l'ensemble des bases, de leur publication, de leur cohérence. Et à côté de ça, 3 autres assistants ont été formés et ont encodé. Alors, quelqu'un pour les manuscrits, quelqu'un pour l'iconographie locale. Et puis une personne aussi qui devait pouvoir seconder sur les menus, puisque notre archiviste s'occupait principalement des archives. Voilà, donc une équipe de 4 personnes à l'origine. Actuellement, on a des petits manquerages sur lesquels je ne vais pas m'étendre, mais voilà, une équipe de 4, dont un coordinateur pour faire tourner l'ensemble et homogénéiser tout ça. Merci beaucoup. Je ne sais pas, Séverine, si tu veux peut-être parler de ton équipe ou sinon peut-être comme le temps avance et file à toute allure et que effectivement, je pense qu'il faut retenir, c'est qu'on a bien compris qu'il y avait quand même un intérêt à avoir des personnes dédiées et formées en fait à l'EAD et à l'outil Tapir pour pouvoir signaler ces documents. Donc maintenant, on les a acquis, hein, donc par le bouche à oreille, par la collecte incitative, par le démarchage, par l'achat. On les a rentrés dans les collections avec, si on suit la chaîne de Dijon, un registre de suivi, une cotation, un tableau de gestion,
un encodage, on les a estampillés. Et justement, avant de les numériser et pour les garder longtemps dans nos collections, on a acquis des classeurs et des pochettes ad hoc. Donc peut-être maintenant qu'on a des équipes qui les ont traités, qu'on les a reçus, qu'on les a soignés, qu'on a vu leur intérêt, comment on fait pour les conserver ces documents qui, comme Séverine soulignait, sont par essence très fragiles. Donc peut-être Caroline, si tu veux nous Bah, parler un peu je pense que de... Séverine avait des Est-ce que choses Séverine? généralistes à dire. Moi, je pourrais donner un exemple juste de coup, peut-être. Oui. Bon, nous dès lors que nous réalisons un inventaire, donc il y en a une dizaine de réalisés, la série correspondante est systématiquement reconditionnée. Donc ça allait peut-être de soi dans mon esprit, je ne vous l'ai pas dit, mais on ne traite pas la pièce. Donc les documents sont réunis dans des dossiers. On utilise des pochettes neutres et des boîtes en polypropylène globalement. Et puis pour les pièces les plus petites, on les conditionne aussi dans des pochettes Mylar à cases. On est face à un grand nombre de documents qui ont été collés par le passé sur des papiers blancs. On ne décolle pas systématiquement, d'autant qu'on s'aperçoit que ça les a plutôt bien fait vieillir. Alors, ce n'est pas conseillé de coller des documents, mais là, les matériaux utilisés par le passé étaient sans doute peu agressifs. Et puis finalement, ça permet de les manipuler sans avoir un contact direct avec le document, mais avec le support. Et on réserve des traitements plus spécifiques. Alors, on peut être amené à les dépoussiérer quand ils sont trop sales, mais on réserve les traitements plus spécifiques de détourage ou de réparation, voire de restauration aux documents qu'on va envoyer en numérisation, si on fait des trains de numérisation, ou bien aux documents que nous allons prêter pour des expositions. Voilà, donc, et une attention particulière. Alors, peut-être que les gens qui travaillent dans les services d'archives pourraient nous parler de leur pratique, mais une attention particulière au moment de la communication des documents, puisque pour des raisons d'économie, on conditionne beaucoup en pochette simple et pas en pochette à rabat. Et donc, on a mis en place pour que tous les collègues qui sont amenés à faire de la communication, qu'ils soient du département ou non, donc, on a mis en place un système de contenant de transit pour arriver dans la salle de lecture pour éviter les documents qui glisseraient des pochettes. Voilà, donc une attention particulière au moment de la communication des documents. Voilà, Caroline. Ben, à Dijon, donc on traite tout pièce à pièce. Donc chaque menu est dans sa petite pochette Terfan transparente, elle-même dans un déclasseur ad hoc. Donc pour vous donner un ordre de grandeur du coût de tout ça, alors on les achète chez CXD. Les classeurs valent un peu plus de 100 euros l'unité hors taxe et les pochettes 3-4 euros l'unité. Donc c'est quand même un budget non négligeable. Puis un temps de travail quand on a une collection qu'il faut traiter. Pour la première fois, assez long. Ensuite, c'est au fur et à mesure, donc c'est un peu plus facile. On n'a pas vraiment, nous, de soucis de consultation puisque tout est numérisé, donc, et puis que notre bassin de population pour d'usagers, en tout cas, de cette consultation n'est pas forcément local. On n'a pas ce souci-là et de toute façon, ce sont des classeurs qu'il suffit de feuilleter et on voit l'ensemble du document sans avoir à le manipuler. L'intérêt des éphémères aussi, c'est qu'on peut avoir des grosses collections qui s'accroissent et qui prennent très peu de place. Et ça n'est pas inintéressant pour des bâtiments comme les nôtres qui sont très très pleins. Donc, on passe à la valorisation, Oui, peut-être, excusez-moi, Caroline. je coupe mon micro à chaque fois. Du coup, j'ai le temps que je finisse d'écrire rapidement tout ce que vous dites. Effectivement, je pense qu'il y a aussi un point qui est très intéressant pour les collègues, hors effectivement le traitement et la conservation et tous les sujets que vous avez abordés. C'est comment on valorise ces documents. Vous avez quand même témoigné tout au long de la présentation de leur intérêt pour l'histoire sociale et puis de l'intérêt pour la vie commune des personnes. Donc, comment valoriser ces documents et puis peut-être nous faire partager vos expériences à chacune dans vos établissements et ce que vous avez pu mettre en place et que éventuellement les participants pourraient s'inspirer de ces expériences. Oui, alors, tu disais que
Je ne sais plus de parler. Les éphémères, il y a une particularité, c'est que ils sont faciles à exposer aussi. Donc, nous, on a régulièrement des expositions dans l'accueil de la bibliothèque qui est équipée de vitrines. Et c'est vrai que le montage de documents éphémères sur des supports où leur exposition à un plat va très vite, quoi. C'est pas aussi compliqué que d'exposer un volume. Alors, je vous montre deux exemples d'exposition. Alors, excusez-moi. Alors, ça, c'est le blog de la bibliothèque historique qui s'appelle L'Échauguette, puisque nous avons une échauguette, la bibliothèque historique. Et donc, si vous passez par l'onglet Les collections, vous avez un onglet Documents éphémères. Et quand on fait une exposition dans laquelle il y a la bibliothèque, on essaie d'en garder la mémoire avec un petit article qui reprend les photos des vitrines et le texte des cartels. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui est très très compliqué à faire et ça pérennise nos présentations. Donc ça, c'était une exposition qu'on avait fait en 2019 à l'occasion du cinquantenaire de l'installation de la bibliothèque historique dans son bâtiment actuel, l'hôtel de Lamoignon, et on avait choisi de faire cette exposition Trésors du quotidien. Parce que c'est vrai que c'est une des particularités, c'est quelque chose qui construit l'identité de la bibliothèque, d'avoir cette collection d'éphémères. Et donc, on avait une dizaine de vitrines qui s'organisaient autour de thématiques de la vie quotidienne. Donc, vous voyez, la première vitrine, c'était échanger des nouvelles, le monde du travail, se déplacer avec notre collection de titres de transport. On a énormément de tickets de métro et d'omnibus. Donc, vous pouvez parcourir cette exposition qui était une exposition physique, mais qui maintenant est en ligne. À l'heure actuelle, on en a une autre qui s'appelle « Ouverture d'un nouveau rayon » sur les commerces alimentaires parisiens et qui est en fait l'aboutissement d'un travail d'un an et demi d'une collègue qui a inventorié les documents commerciaux provenant des commerces de bouche parisiens, principalement. Et puis, on a une expérience d'exposition virtuelle, alors réalisée au moment du centenaire de la Première Guerre mondiale, sur le quotidien des Parisiens pendant la Grande Guerre, et qui s'appuie, c'est un abécédaire, qui s'appuie sur des sélections documentaires qui ont été faites au départ pour l'exposition, des expositions dans des bibliothèques de prêt du réseau. Donc, quand je parlais de la facilité d'exposer ces documents et de leur accessibilité pour le grand public, ça s'est traduit justement par des prêts à nos collègues des bibliothèques de prêts qui donc ont montré des petites sélections. Et pour pérenniser tout ça, eh bien on a pu faire une exposition virtuelle avec les collègues du comité d'histoire de la ville de Paris. Donc, je vous prends un exemple. Il y a aussi bien des éphémères que des photos. Il y a pas mal de photos aussi, puisque ça a permis de pérenniser une grosse exposition qu'on avait faite à la Galerie des bibliothèques à partir d'une collection photo. Alors, l'exemple là est intéressant, parce que ça nous ramène à la collecte. Donc, c'est une sélection de documents sur une journée de collecte, la journée du poilu. Et là, vous voyez en fait le courrier de l'association, l'organisme qui a organisé cette journée et qui liste les choses, les documents, les objets donnés à la bibliothèque à sa demande pour alimenter ses collections, donc des insignes, des médailles, même une broche. Et donc, quand on fait défiler tout ce chapitre, on retrouve les documents en question. Alors là, c'est le visuel d'une carte postale qui a aussi donné lieu à une affiche. Et puis, les fameux insignes, donc là, qui sont dans la collection d'éphémères. Encore une carte postale, les insignes, un brassard de collecteur, de commissaire, voilà. Les bijoux souvenirs vendus à l'occasion, voilà, les carnets à souche pour la vente des médailles, voilà. Donc vous pouvez voir cette exposition en ligne, hein, c'est le quotidien des Parisiens pendant la Grande Guerre, et c'est un moyen aussi pour moi de vous dire que
il m'a semblé, avec cette expérience, qu'il était plus pertinent de faire des sélections de numérisation assez modestes et qu'on puisse éditorialiser plutôt que des grandes campagnes. Alors, on en a mené pour les menus de banquet et les cartes de restaurant où on essaie de numériser l'ensemble de la collection, mais on s'est aperçu que ça nous ramenait à un traitement à la pièce qui n'était pas souhaité au début du chantier, tout simplement pour des questions d'économie de temps. Et donc, pour le moment, on ne s'est pas relancé dans une nouvelle entreprise de numérisation. Voilà. Je départage mon écran. Alors, à Dijon, si je devais résumer ce qu'on fait en matière de valorisation, j'insisterai sur 4 points. D'abord, le fait qu'on a fait le choix de ce que j'appelle creuser un sillon, c'est-à-dire que maintenant, ça fait une dizaine d'années que, alors, on développe le panel des actions de valorisation et de médiation qu'on attend d'une bibliothèque patrimoniale, mais on a choisi de vraiment très souvent axer notre propos sur cette thématique gastronomique et du menu, parce qu'il y a l'effet donc de sillon et donc de communication qui se fait plus facilement et d'ancrage dans un public beaucoup plus large. Alors, notamment parce que, bien sûr, cette thématique, elle a un potentiel en matière de public qui est facile à exploiter. La deuxième notion, c'est l'importance de la communication. Quand on parle de valorisation, on parle autant d'actions de médiation que d'actions de communication via les réseaux ou avec la presse, alors en général locale. Et ça, c'est important pour la vie globale de l'établissement et son ancrage auprès des publics. J'insisterai aussi sur la notion de cercle vertueux. On n'a jamais d'actions de valorisation qui ne sont que des actions de valorisation. Quand on valorise, bien la communication se développe. Quand la communication se développe, eh bien on a des futurs donateurs qui nous connaissent et qui enrichissent la collection et la boucle est bouclée. Et donc, la dernière notion, c'est cette notion de projet à plusieurs facettes, c'est-à-dire qu'on essaye toujours d'inclure une facette de valorisation grand public, de recherche avec une publication ou un colloque, de communication, je l'ai dit, et puis d'avoir toujours en tête un but qui est celui de l'enrichissement de la collection. Alors, je vais repartager mon écran pour vous refaire un petit peu peut-être l'historique de... Hop. Voilà, de notre politique de valorisation. Donc, on a commencé à y travailler il y a une dizaine d'années. Donc là, on a eu un gros coup de projecteur sur ce projet qu'on lançait avec une grosse exposition qui était pour la première fois chez nous travailler avec un scénographe, ce qui n'était jamais le cas. On fait généralement des expositions à petit budget dans les bibliothèques. On n'est pas comme les musées. Donc, 3 expositions sur le réseau dijonnais, beaucoup d'actions de médiation au sein même des expositions avec un public assez large, une publication qui avait associé des conservateurs de bibliothèques, enfin, et des collègues de bibliothèques, musées et archives, ainsi que des collectionneurs, donc à la fois dans le but d'avoir une première publication un petit peu importante sur ce sujet qui était très peu travaillé, mais aussi de monter un réseau. Et ça, c'est une notion très importante aussi en la matière. Je reviens à tout ce que je disais sur l'importance des collectionneurs, de les repérer, d'être en bon terme avec eux. Et on avait dès cette époque-là, alors ça pique les yeux, hein, c'est complètement daté, mais voilà, on avait une petite série de cartes postales qui incitaient déjà à sauver les menus. Donc voilà, une première grosse action. Et depuis, on creuse ce sillon, on a régulièrement des actions alors qui se passent à la fois en ligne. On a un blog alors qui est en sommeil ces derniers temps, mais qui s'appelle Happy Apicius, donc qui est un blog de valorisation du fonds gourmand de la bibliothèque, où régulièrement donc, on met en valeur ce qui se passe au niveau des menus. Et ça, c'est un axe de valorisation important. On utilise beaucoup nos réseaux sociaux. Et donc là, j'en viens à un gros projet qu'on a monté en 2018 suite à un dépôt important du chef de l'Élysée, qui aujourd'hui n'est plus chef de l'Élysée, qui est l'ambassadeur auprès de Macron pour la gastronomie française. Donc, on a eu un gros don de ce chef de l'Élysée qu'on a largement valorisé à la fois par les réseaux, par une exposition.
dont vous voyez ici le visuel, et puis par une soirée de valorisation, et là je reviens donc à ce mélange valorisation et com qui est très importante, avec donc Guillaume Gomez, le chef en question, qui est un chef très médiatique donc, et qui a très généreusement partagé ses réseaux avec nous, avec la BNF, vous voyez là trois collègues de la BNF qui sont venus présenter les ressources gastronomiques de Gallica, et en local avec des jeunes de lycée hôtelier. Donc, on essaye de ponctuer régulièrement notre politique documentaire sur les menus de grosses actions très valorisées. Et puis, le troisième axe qu'on utilise beaucoup, c'est nos réseaux et notamment le compte Twitter de la bibliothèque patrimoniale. Alors, que ce soit à l'occasion des acquisitions que l'on essaie de valoriser parce que ce sont, comme je vous le disais, des documents qui intéressent beaucoup tout type de public, que ce soit à l'occasion d'animations particulières que l'on a en partenariat à l'extérieur, là, en l'occurrence avec la Cité de la gastronomie qui vient d'ouvrir à Dijon ou au sein de notre établissement. Et puis, notre responsable du compte Twitter utilise largement les menus en fonction de l'actu, là, vous voyez, au moment de la mort de Sampé ou là, au moment des vacances d'été. Donc, voilà, l'importance de cette notion d'avoir un sillon, de s'y tenir, et c'est assez efficace et rentable, je dirais, quand on travaille sur la longue durée. Hop. Alors, ça y est. Merci beaucoup. Vous êtes toutes les deux 11h57. Impressionnantes parce qu'on est arrivé à aborder tous les points. Alors, au pas de course, c'est vrai, mais ce qui est formidable dans ces rendez-vous, c'est que déjà, ils seront retransmis sur YouTube si vous n'avez pas eu le temps de tout noter parce qu'on a eu beaucoup d'informations. La deuxième chose formidable, c'est que vous avez Séverine Montigny et Caroline Poulain qui désormais vous identifiez bien comme interlocutrice si jamais vous avez des questions aussi qui viennent prolonger ces sujets-là. L'idée des 11-12, c'est vraiment d'établir un dialogue entre nous et c'est effectivement juste une heure, mais une heure pour aussi pouvoir se recontacter par la suite et échanger sur ces sujets-là. Je pense que s'agissant des éphémères, on n'aura peut-être pas l'occasion de prendre beaucoup de questions, mais vous avez donné énormément d'informations précieuses, notamment aussi dans l'importance que vous avez rappelée toutes les deux avec différents niveaux de langage, mais de se fixer une politique documentaire et un sillon pour valoriser ces collections et pouvoir les traiter. Avec ce rappel sur le AD qu'on verra aussi beaucoup parce que tout le monde, à mon avis, dans ces établissements est paré sur le signalement, donc commence à de toute façon devoir apprivoiser Tapir, ce petit outil bien pratique quand même pour le faire. Je vous remercie aussi beaucoup pour les coûts, les solutions logicielles, parce que très souvent, c'est des questions aussi techniques dont on a besoin quand on est dans nos établissements. Un grand bravo pour cette présentation, pour ces projets enthousiasmants et ces projets de valorisation qui font envie des deux côtés. Et ces différentes typologies aussi de documents, puisque je ne sais pas si on l'a vu à Dijon, mais il y avait un petit menu en porcelaine et à la BHVP, vous avez énormément d'objets différents. Donc, c'est aussi des typologies qui sont peut-être un peu inhabituelles à conserver en bibliothèque. Donc, peut-être on pourra prolonger ces échanges par la suite. On va peut-être voir d'autres choses. Le temps que j'essaye de trouver le petit menu porcelaine. À tout dire. Moi, je peux que vous inviter à poser vos demandes de sujets sur notre outil, la parenthèse. La parenthèse, c'est pour vous et c'est vraiment tous les sujets qui vous causent des difficultés, dont vous avez envie de parler. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter. On les mettra avec plaisir au programme, sachant que si vous plébiscitez des sujets, ils seront traités en priorité. Donc, comme je le disais, vous pouvez revoir l'ensemble des numéros des 11-12 sur la chaîne YouTube de l'agence. J'essaierai de le mettre au plus vite parce que je suis désolée d'avoir buggé sur le lien Internet, mais vous étiez très nombreux, on était plus de 50 sur ce numéro, donc je ne doute pas que ce sera quand même, ça a été un succès. Il y a une version éditorialisée, donc les carnets du 11-12, on a pris un peu de retard, mais l'idée c'est de reprendre les grandes idées clés des numéros et de prolonger avec une bibliographie, et je pense que concernant les éphémères, ce sera tout à fait... parlons, parce que Séverine, il me semble que tu as donné un certain nombre de documents qui, je pense, pourront aussi prolonger ce numéro.
Voilà, le prochain numéro, ce sera le 20 octobre. Si je ne me trompe pas, ce sera sur les résidences d'auteurs en bibliothèque. Voilà, avantages, inconvénients, communication. Je crois que quelque chose que j'ai noté aussi, c'est effectivement ces efforts de communiquer sur nos collections et les bénéfices qu'on pouvait en tirer et auprès de différents publics aussi, puisqu'on a vu des actions dans les bibliothèques de prêt à la BHVP, auprès du grand public, auprès d'étudiants, de lycéens et aussi des colloques et des niveaux de recherche tout à fait différents, des niveaux d'ouverture différents. Donc voilà, un très 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 grand merci à Caroline Poulain et Séverine Montigny pour ce numéro et je vous dis tous à très bientôt pour la suite de ces numéros. Merci à vous et une très très belle journée. Merci Emmanuel.